Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Ah, j'espère que vous avez apprécié cette petite intro. Ben voilà, un abonné m'a prêté une sarbacane que je vous présente. Donc elle fait 1 mètre de diamètre. Je pense que c'est du calibre 0,43, hein, 0,43 pardon, 1 centimètre quoi, hein, 10 mm. Voilà donc. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a acheté différentes aiguilles, des aiguilles courtes, des aiguilles longues. Donc à chaque fois, il y en a 12. Hein. Des aiguilles, alors je vous montre, hein, voilà, de près. Des aiguilles plus courtes, mais beaucoup plus grosses. Je pense qu'avec ça, on doit transpercer de la canette. Hein. Et puis des petits embouts en plastique, voilà, pour dégommer différentes cibles, des Playmobil par exemple. Voilà, voilà comment se présente une aiguille. Hein. Donc on a un embout là où bah, quand on souffle, ça fait l'étanchéité. En gros, l'air va pousser par ici, l'aiguille. Voilà. Donc, qui n'a pas joué à la sarbacane en cours? Hein, cette petite intro, c'était pour vous rappeler les cours où vous étiez indiscipliné. Excusez le chien, il a été niflé le porte-caméra, le support de la caméra. Donc, voilà une arbalète d'1 mètre. Muni donc d'origine d'un viseur hein, qu'on peut voir avec un petit point rouge au bout du viseur. Et puis bah, il a rajouté un petit point rouge pour aider. Voilà, bah, écoutez, donc il m'a prêté ça. Au début j'ai dit je vais jamais réussir à souffler là-dedans. Donc j'ai soufflé la première, elle atterrit en dessous la cible forcément. Et puis, ben au bout de 10 tirs, on n'était pas loin du centre. Au bout de 30 tirs, ça commençait à grouper. Et au bout de 3 séances de 5-10 minutes, voilà, chaque soir, ben j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Donc ben, je vais ranger sa sarbacane. Donc je vous montre ici, il y a un embout qu'on peut retirer. Hein, vous voyez, ça c'est mon embout. Voilà. Pour des questions d'hygiène, hein, tout simplement, pas se refiler le coco. Vous me direz pour vous administrer le vaccin. Hein. Voilà, que dire d'autre? Ben, une petite sangle pour la transporter, c'est vraiment léger. Hein, je ne connais pas le poids, hein, je ne sais pas, il n'y a pas de marque ni rien. Voilà, elle est toute noire. Elle fait 1 mètre de longueur et voilà. Ben écoutez, on va la mettre de côté, on la testera hein, bien entendu. Et puis là, les gens vont se dire, ah ben ouais, il avait dit qu'il n'achèterait plus rien et tout, et machin et tout. Donc voilà, qui vous dit que j'ai acheté quelque chose. Alors si, j'ai acheté des plombs. J'ai acheté des plombs et j'ai pas pu m'empêcher de téléphoner à mon armurier, lui poser des questions sur la sarbacane qu'il vendait. Et puis voilà, hein, je dis bon, bah, je dis je vais vous commander des plombs. Et il me dit, mais la sarbacane, c'est pour quoi faire et tout. Bah, je dis ouais, on m'en a prêté une. Je dis je trouve ça sympa. Et je dis je voulais faire une petite présentation sur ma chaîne. Voilà, ben il me dit, écoutez, si vous faites une présentation sur votre chaîne de mon produit, ben bougez pas, je vous l'envoie. Donc il m'a envoyé une sarbacane avec des fléchettes pour vous la présenter sur ma chaîne. Voilà. Donc je vais vous présenter une sarbacane de chez Hyperprotec. Par contre, ce ne sera pas une 1 mètre, puisque les 1 mètre, il n'en avait plus en stock. Ça sera une 75 cm. Donc apparemment, ça agit, la longueur agit sur la précision. Ben écoutez, on pourra s'en rendre compte par la même occasion. J'espère que cette vidéo va vous plaire, les amis.
ça change du tir au plomb, du tir à balle réelle. Alors, pas chez moi. Voilà. Reprendre le couteau. Ah, alors ça, ça doit être le jeu de fléchettes. Donc voilà, elle est vendue au prix de 18 euros. Hein. Elle est vendue avec 12 fléchettes. Elle est en aluminium. Ah, donc c'est pas monté, vous voyez. Donc, il y a 100 fléchettes. Merci. Un grand merci. On va tester ça. J'espère que ça donnera envie à certains. Franchement, moi qui aime le tir, voilà, hein, c'est une chaîne. Hein, j'ai pas fini ma phrase. Hein, ça va changer du tir. Ben ouais, on est sur la chaîne J'aime le tir. J'aime le tir avec n'importe quoi. Hein, dès qu'il faut viser et que voilà, j'aime. Donc vous voyez, il y a des embouts là en caoutchouc, ils ont l'air. Ah, c'est un caoutchouc mou comparé à l'autre Serbacane où c'est du caoutchouc, du plastique rigide. Et puis on a les aiguilles, voilà. Donc ben, on montrera ça. Alors, on a ici une baïonnette. Un joli dépliant hyper protec. Voilà, avec différentes armes. Je vous laisse aller visiter leur site. Alors, nous trouvons ici les plombs que j'ai commandés. Voilà. Alors ne vous attendez pas à des nouveaux plombs. Hein, j'avais tout simplement plus de barracuda. Et vu leur précision, ben j'en ai racheté deux petites boîtes. Qui ne sont pas abîmées pour une fois. Ils n'ont pas joué au football. Il faut dire que vu la forme du carton, c'était compliqué. Voilà. Et ben écoutez. Ah oui, elle est vendue avec 12 fléchettes. Un embout. Un viseur. C'est tout les amis. Donc la couleur de la Serbacane que vous recevez est en fonction des arrivages et de ce qu'il a en stock. Hein, voilà. Voilà. Alors je coupe juste le temps de me moucher. Voilà les amis, on se retrouve. Mon nez ne coule plus. Donc ben voilà, on a cette petite Serbacane, hein, un tuyau en aluminium. Tout simplement. De 75 cm. Alors donc c'est marqué do not inhale dar. Donc faut pas respirer le dar. Ouais. Faut plutôt l'envoyer. Regardez les instructions. Ceci n'est pas un jouet. Donc ben, je vais virer l'étiquette. Hein. Je vais virer l'étiquette et vu que ben, la Serbacane m'a été offerte, je pense qu'il va me rester assez de papier qui va bien pour lui faire une belle déco. Donc au niveau du montage, hein, ben, c'est pas compliqué, hein, vous mettez l'embout d'un côté, l'embout pour souffler,
Voilà. Ensuite, on va avoir ceci. Alors attendez les amis. Parce que la notice, lire les instructions, je ne les ai pas bien trouvées. D'accord, donc en fait, les amis, je vous montre, vous avez différents diamètres, certainement pour différentes tailles d'aiguilles, comme je vous ai montré sur l'autre serbacane. Voilà. Donc vous avez des crans pour des petites aiguilles fines et des crans pour des un peu plus larges et pour des encore un peu plus larges. Voilà. Voilà, donc je suppose qu'on peut racheter ce genre de support, hein, vous avez vu comme sur l'autre, pour venir mettre vos 100 fléchettes sur la sarbacane. Sarbacane. Voilà, donc vous venez placer ça là où vous le voulez. Hein. Donc en général, c'est plus vers les mains. Voilà, ce qui fait que quand vous mettez votre aiguille, les amis, il n'y a aucun danger de vous piquer puisque vous avez un rebord protecteur. Voilà, qui empêche l'aiguille de. Ben voilà, vous ne pouvez pas venir vous piquer, donc à vous de bien régler. Hein. Voilà, là, ça y est. Et donc vous venez enfiler toutes vos aiguilles. Voilà. Et si vous rajoutez ben derrière hein, ce genre de composant, vous pouvez rajouter des aiguilles. Comme on a vu sur l'autre sarbacane. Donc on voit la différence. Hein. 75 cm et 1 mètre. Voilà, donc moi les amis, j'ai commandé aussi donc. Un petit support que je vais venir mettre sur le tube pour pouvoir mettre mon laser en fait. Hein. J'ai un petit laser vert là qui ne me sert plus. Puisque il était sur le Glock et que je ne peux plus le mettre à cause de l'étui du Glock. Donc ben voilà, je vais m'en servir pour la sarbacane. Et puis ben enfin au bout, qu'est-ce qu'on vient d'y mettre? Dans ce sens-là plutôt. Et voilà. On a notre petite sarbacane. Alors c'est. Voilà, hein, faut libérer l'air. Voilà les amis, bah écoutez, cette première vidéo de présentation. Va s'arrêter là, puisque je vais attendre de recevoir mon laser hein, pour faire la vidéo de tir. Donc on mesurera, on essaiera de prendre au chrony la sortie des fléchettes pour voir à quelle vitesse on arrive à. Enfin j'arrive personnellement avec ma respiration
à envoyer les fléchettes, à quelle vitesse on peut les envoyer, hein. Les joules, on s'en fout, histoire de se donner un ordre d'idée. Et puis on fera une comparaison, voilà, on tirera à 3 mètres, et puis on se mettra à 8 mètres et on verra si, si on touche à 8 mètres. Et puis bah, ça nous permettra de voir s'il y a une différence notable de précision entre une sarbacane de 75 cm et une sarbacane d'un mètre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, comment appelle-t-on un tireur qui tire à la sarbacane? Un sarbatin et une sarbatène pour les femmes. Voilà. Donc, ben, je vais devenir un sarbatin puisque, voilà, je viens de commencer le tir à la sarbacane. Franchement, c'est sympa. Hein. Le tir aux fléchettes, j'adore ça, mais je kiffe encore plus avec une sarbacane. Une sarbacane, ouais, ouais, c'est... Et puis c'est bon, j'ai vu des professionnels de santé qui disent que c'est un très bon exercice respiratoire en fait. Ça peut remplacer une séance chez un kiné respiratoire en fait. Voilà. Bah écoutez, si ce sport est bon pour la santé, on va voir ce que ça donne. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, ben, on en reparlera dans la vidéo du tir. Vous n'aurez pas long à attendre, hein, ça sera la prochaine vidéo dans 2 jours. Voilà, un petit peu de patience. Juste le temps de recevoir le support du laser et puis de s'entraîner un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les amis. Si c'est le cas, mettez un like. À bientôt.